Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que gérer sa carrière, c'est bien, mais vraiment se connaître, apprendre à se connaître, c'est essentiel. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend en étant en entreprise. C'est la vie et la curiosité qu'on va avoir envers soi-même qui va faire que finalement, on va se questionner par rapport à soi. Pourquoi est-ce que mieux se connaître, c'est mieux? Tous les jours, quand vous arrivez en entreprise, vous allez poser des actes. Vous avez des missions, vous avez des tâches à réaliser. Souvent, ce sont des tâches qui vont faire que vous allez être satisfait, ce sont des tâches qui vont faire que vous allez être bien, ou alors ce sont des tâches qui vont vous mettre en difficulté. Vous devez avoir aussi des réflexes. Est-ce que votre réflexe est adapté à la situation ou pas? Donc, plus vous apprenez à vous connaître, mieux c'est par rapport à l'action que vous allez poser, qui va finalement vous mettre en joie ou pas. Donc, mieux se connaître, c'est vraiment essentiel. J'ai envie de partager avec vous cette citation de Dan Harrison qui explique que les salariés qui sont les plus performants aiment au moins 75% des missions qu'ils ont à accomplir. Pourquoi? Ce que j'aime, tout simplement, je le répète. Vu que je le répète, je m'améliore via la pratique. Vu que je m'améliore via la pratique, je deviens une référence. Je deviens une référence, pourquoi? Parce que finalement, je performe.